Le riz reste l'aliment de base des Ivoiriens. Mais malgré les énormes potentialités naturelles, la Côte d'Ivoire continue d'importer cette céréale. En clair, le pays importe plus d'un million de tonnes par an, avec des sorties de devises de plus de 300 milliards de francs CFA. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en œuvre des stratégies nationales de développement de riz. De quoi s'agit-il et comment atteindre l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire d'ici à 2030? Mesdames et messieurs, bonsoir. Allons directement sur les sites aménagés. C'est là que tout commence. Le riz, très prisé des Ivoiriens. Céréale considérée depuis des années comme aliment de base du peuple bété. Aujourd'hui, le riz est incontournable. Tous les menus, que ce soit à la maison ou à une quelconque cérémonie festive, le riz finit toujours par voler la vedette aux autres plats. Mais tout commence ici. Nous sommes à Daloa, cité des Antilopes, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, dans le périmètre de Bata. Sur l'ancien corridor de la route de Mans, à vue d'œil, c'est un grand bas-fond long de plus de 120 hectares qui nous accueille. On observe des diguettes de casiers délimitant des parcelles de 20 mètres x 20 mètres. Ici, un système d'irrigation est mis en place pour avoir une bonne semence brute et obtenir du riz local en toute saison. Tout démarre par un projet au fil d'eau. C'est une source d'eau artificielle. La maîtrise d'eau, une technique pour pouvoir disposer de liquide précieux pendant les travaux de préparation de la rizière. Il s'agit également d'avoir de l'eau pendant le cycle complet des plantes. La riziculture irriguée se différencie en deux systèmes de culture en suivant la pratique ou non du répiquage. L'eau s'écoule lentement de gradin en gradin par des brèches pratiquées dans les diguettes. La terre a besoin d'être humide, c'est seulement au moment de la germination et de l'enracinement des plants que la parcelle doit être submergée. Les plants sont répiqués dans une boue fluide qui est nécessaire pour effectuer cette opération dans les meilleures conditions. L'entretien de la rizière se poursuit par la conduite d'eau. Comme la culture se fait pendant la saison des pluies, l'eau d'irrigation est un complément qui apporte la sécurité de la culture. La maîtrise de l'eau permet à la riziculture d'être presque indépendante des conditions du milieu. Une fois tout ce système fonctionne normalement, les semences se développent dans de bonnes conditions. Lorsque la parcelle est répliquée, tout à l'heure on va voir, donc là on ne veut plus l'eau. On a besoin de ce que le riz s'étale. Donc là je bloque l'eau pour ne pas que l'eau va sur le périmètre, permettre au riz de s'étaler. Par exemple, le riz aussi a besoin aussi d'air pour souffler, il faut que le riz s'étale. Avec cet aménagement, cette maîtrise d'eau, on arrive aujourd'hui à faire de bons rendements. Parce qu'auparavant, on n'avait pas cette maîtrise d'eau, on n'avait pas, pas ces pare-feu, tout ça là. Donc ça faisait que à l'hectare, on pouvait aller au moins à 2 tonnes. Mais aujourd'hui, on va au-delà de 5 tonnes sur certaines variétés. Avec les conditions d'irrigation bien maîtrisées, on observe de loin une parcelle verte, de semences entretenues, des semences repiquées en ligne dont ces riziculteurs détiennent le secret. Quand nous recevons les semences, nous faisons des pépinières et puis nous repiquons en ligne. Pourquoi repiquer en ligne? C'est de voir maintenant entre les lignes, tout le riz qui va pousser entre les lignes ne sont pas du même type que le riz repiqué sur les lignes. Donc nous sommes obligés de les arracher. Donc l'épuration s'étend au moins sur au moins 3 mois. Après le repiquage, 15 jours après le repiquage, jusqu'à la récolte. Nous faisons l'opération pour que la semence soit pure. Quand vous avez une bonne semence, vous avez la chance d'avoir au moins 40% déjà de la production. Le reste des 60%, c'est l'entretien, l'eau et l'engrais et autres. Le riz se nourrit à partir de ses racines. Donc tout ça,
part du début, l'aménagement, le labour, il faut vraiment avoir les motoculteurs, il faut avoir les batteuses pour avoir la qualité. Les motoculteurs, au titre que tu fais, tu choses, mais la batteuse, dès que tu récoltes le riz, ne doit pas chauffer sur la terrasse. Tu dois automatiquement la battre. Ils ont besoin de ces motoculteurs, des batteuses, vraiment pour pouvoir avoir la qualité du riz à Daloa et en Côte d'Ivoire. Des conditions difficiles relevées, faute de matériel et de machines de pointe, mais le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, à travers l'Agence pour le Développement de la Filière de Côte d'Ivoire, l'ADERI, a tout prévu pour permettre à nos braves riziculteurs de produire de la bonne qualité en riz local. Des machines de dernière génération sont disponibles. En réponse à la problématique de la mécanisation, l'État, à travers l'ADERI, a mis en place deux approches. La première approche, elle s'appuie sur les opérateurs privés, le secteur privé, à travers les petites et moyennes entreprises de prestations mécanisées agricoles. À ce jour, nous avons une vingtaine de PMEA qui est agréée par l'ADERI, dont une quinzaine a bénéficié de l'appui et de l'accompagnement de l'État, c'est-à-dire à travers l'ADERI en matériel agricole, de préparation de sol. Et de récolte, composée de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de motoculteurs, de faucheuses, etc. L'ADERI a développé en son sein un pool de mécanisation qui s'appuie sur la division spatiale administrative de la Côte d'Ivoire à travers les districts. À ce jour, nous avons trois régies qui sont déployées dans trois districts. Sur 12. Et dans le courant de l'année 2023, l'objectif est de couvrir l'ensemble des districts à travers les régies de l'ADERI. Une bonne nouvelle pour ces riziculteurs. Dans cette zone du périmètre de Bata, on cultive plusieurs variétés de riz. Le riz John Tao, le CY2, le 8A9, le Relux, le 7-6, bref, tous ces riz locaux sont cultivés dans ces bas-fonds bien entretenus et donnant ainsi un bon parfum et une bonne saveur pendant la préparation. Après la cité des antilopes, un tour à Bouaké pour voir l'évolution des semences. Alors, rendons-nous à Tabako, un petit village non loin du chef-lieu de la région de Bouaké. Dans cette localité où vivent en symbiose autochtones, halogènes et certaines communautés de la CEDEAO, se trouve le grand périmètre de MBE. C'est une parcelle de 160 hectares de la coopérative de tabaco, mais 28 hectares sont réservés pour la production de semences répliquées en ligne, des semences fournies par l'Agence pour le développement de la filière en Côte d'Ivoire, l'ADERI. Ici, Koulibaly, un expert dans le domaine du riz, nous plonge dans l'univers de cette vaste parcelle de semences. Nos actions sont vraiment d'œuvrer pour la mise à disposition de la semence de qualité, la semence est certifié, c'est-à-dire de la semence vraiment qui sera homogène et acceptée. Le choix de la parcelle est très important dans la mesure où on doit regarder l'antécédent culturel, c'est-à-dire voir est-ce que cette variété que nous voulons multiplier, c'est la même variété qui a été multipliée le cycle passé. Ça pour vraiment éviter tous les mélanges. Et donc lorsque ces différents critères sont réunis, en ce moment le multiplicateur à qui nous avons remis la semence de base, procédera à la multiplication. Donc il va suivre vraiment tout l'itinéraire technique, depuis le labour jusqu'à la récolte. Et lorsque vraiment la parcelle est très bien entretenue, et au stade de la récolte, il nous donne leur OK pour procéder à la récolte. Et c'est accompagné d'un certificat d'agréage. Les plans de semences en ligne, leur développement, un travail minutieux qui demande de la passion. Parmi les travailleurs chevronnés dans la culture de riz sur cette parcelle, se trouve Koulibaly Seydou, père de trois enfants vivant à Tabako 1. Il fait de ce métier son business. Il est contractuel et arrive à subvenir aux besoins de sa petite famille. Quand on fait la semence, c'est que nous on vient sacler, nettoyer là. Nous on gagne un peu. On va aider ça à la famille. On s'en paye, l'école des enfants, pour nous-mêmes. Donc vraiment, on est content. Comme lui, Adiara Kone, fille du village de Tobako 2, qui vit avec ses parents. Pour elle, rester oisive au village et attendre qu'on lui donne de l'argent est révolu. Elle préfère se battre dans la vie pour se faire une place au soleil. Et cette place, Adiara l'a trouvée sur cette parcelle de production de riz de cette coopérative. Quand nous venons ici
vous travaillez tous les jours là. Vous venez à 9h des ordi et on travaille, on nous paye, nous prenons ça pour aider la famille et notre propre besoin. Depuis que ce match est arrivé, nous on est contents. Ces travailleurs motivés, dos courbé, arrachent des hors-types avec précision. Ils profitent pour faire les sarclages. C'est impressionnant. Ce sont des professionnels dans le domaine de la culture du riz. Des semences en évolution à un tour à Yamoussoukro pour voir d'autres semences. Mais cette fois, ce sont des semences en maturité prêtes à la récolte. Des grains apparaissent au grand jour pour contempler Dame Nature. La réussite de cette vaste parcelle en maturité est le résultat d'une technique développée en amont par l'ADERI. Plus besoin de subir le dictat de la pluie, les semences peuvent évoluer jusqu'à la production sans se faire inquiéter par le manque de précipitations. Un travail d'Hercule est fait par le gouvernement ivoirien en vue de mettre en exergue cette vaste surface d'eau afin de produire régulièrement le riz dans toutes les saisons. C'est une bénédiction pour les riziculteurs, mais aussi une bénédiction pour la population, premier consommateur de riz local, made in Côte d'Ivoire. Vous voyez ici un exemple de retenue d'eau avec ce qu'on appelle ici une digue et puis ce qu'on appelle bah, derrière ici les aménagements. La digue permet donc de retenir cette eau-là. Et cette eau passe, il y a une tuyauterie en bas qui reçoit, qui laisse passer l'eau. Et cette eau, quand elle arrive dans la partie à aménager, est dispersée et va atteindre les rizières à partir des canaux. Ici, vous avez des canaux bétonnés qui sont tout autour. Puis on envoie l'eau aussi loin que possible. Et cette eau qui s'en va permettre d'irriguer ici, en aval. Dans le cas d'espèces ici à Subiakoro, environ 144 hectares. Les attaques que vous voyez là, ça va très loin, vous allez, ça va très loin, et ça fait environ 144 hectares. Et chacun de ces 144 hectares peut produire deux fois dans l'année. C'est ce qu'on appelle la production par cycle. Une fois les parcelles sont en maturité, les producteurs coupent le riz, soit à la main ou à la moissonneuse, batteuse, et procèdent au séchage et à l'ensachage. Une fois tout y est, ils font appel à l'ADERI qui vient récupérer ses productions pour les acheminer vers Yamoussoukro, au centre de conditionnement de semences brutes. C'est un centre de plus d'un hectare et demi, composé d'un stockage de semences brutes d'une capacité de 800 tonnes et d'un traitement de semences conditionnées à l'intérieur, où l'on trouve une chambre froide de plus de 200 tonnes. Comment sont conditionnées les semences? Comment sont-elles traitées? Immersion avec le chef du centre de production et de conditionnement de semences certifiées de riz, Kone Ismaël. Ici, vous êtes au magasin de traitement de semences nettes. Ce magasin a une capacité de 700 tonnes. La capacité de stockage de semences nettes au niveau des chambres froides est de 200 tonnes. Et hors chambre froide, nous sommes autour de 500 tonnes. Donc ici, c'est la trémine de réception. Par un système de godet élévateur, la semence est emmenée au niveau du séparateur à tamis. Donc le séparateur à tamis permet d'enlever les mottes de terre. Ensuite, on a un système d'aspiration qui enlève les grains immatures. Après cette étape, la semence descend sur la table densimétrique. Donc en fonction du poids spécifique de la semence, il y a une séparation qui est faite. Les grains pleins, les mélanges et les grains vides. La prochaine étape, nous avions un boisseau ici qui a une capacité de 1 tonne. Pour un hectare de riz, on a besoin de 40 kg. Donc nous avions une bascule ici pour la peser de 40 kg. Donc après cette étape, nous entreposons la semence en chambre froide. Donc ici, nous sommes à l'intérieur de la chambre froide. Cette chambre froide a une capacité de 100 tonnes. Donc nous entreposons la semence nette. Donc après cette étape, nous faisons appel au laboratoire d'analyse des semences, l'ANASEM, pour faire un échantillonnage. Cet échantillonnage consiste à vérifier le pouvoir germinatif de la semence,
la pureté variétale, la pureté spécifique, ainsi que le taux de matière inerte. Lorsque cette analyse est faite, le laboratoire d'analyse nous délivre un bulletin d'analyse. C'est la variété JT11. Le poids est de 9 tonnes 450. Le nombre de sacs est de 189 et la provenance, c'est de Bongouanou. Vous voyez ici l'étiquette blanche. Ça veut dire cette semence est de génération G4. Ici, cette semence de génération R1 sera mise à la disposition des riziculteurs pour le paddy et ce paddy sera transformé en riz blanchi. Le riz blanchi ensuite sera mis à marché pour la consommation des Ivoiriens. Merci. Ce centre de conditionnement équipé des appareils de dernière génération nous offre une bonne qualité de riz local. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement ivoirien, dans sa politique de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'autosuffisance en riz, a dégagé de grands moyens à travers la construction du tout nouveau centre de conditionnement de semences brutes. Ce centre spacieux sera bientôt achevé et alimenté par des machines. Ici, nous sommes sur le nouveau site du centre de conditionnement et de production de semences de Yamoussoukro. Et le bâtiment que vous voyez là, c'est le bâtiment qui va recevoir les semences déjà prêtes. Et ce sera sous conditions maîtrisées. Et par derrière, vous avez les différents laboratoires. Ce genre de site que vous voyez, nous en aurons 7. Après le contrôle strict des semences brutes, place à la transformation du paddy en riz blanchi. Alors retour à Daloa pour voir un complexe agropastoral. C'est une usine de 2 tonnes par heure. Soit en une heure, on a 2 tonnes de riz blanchi qui sort de la machine. Sa capacité de 10 000 tonnes, elle est équipée d'une nettoyeuse, d'un blanchisseur, d'un polisseur et d'un calibreur et d'une pèse en sacheuse. Ici, Sarah Kone est la responsable de cette usine depuis 4 ans. Ce métier, c'est toute sa vie. Elle l'exerce avec passion et joue le rôle de coaching, souvent pour motiver ses collaborateurs. Pour elle, la transformation du riz paddy en riz blanchi est passionnante. Sarah gère au moins 10 personnes à l'usine. Elle nous fait une visite guidée depuis l'arrivée du riz paddy à la transformation en riz blanchi jusqu'à la mise en sac. Dans ce magasin, le riz est prêt à être usiné. Il a été vanné, propre, séché, tout. On passe à l'étape suivante d'usinage. Ici, c'est la trémie. C'est ici on verse le riz pour être usiné. Voilà. Le riz va baisser, on verse le riz, on met dans la trémie. Il y a des godets, il y a un premier élévateur qui va prendre des godets. Ils vont faire rentrer le riz pour être nettoyé. Ici, c'est l'épierreur, voilà. Il enlève son rôle, c'est d'enlever tous les cailloux, toutes les impuretés dans le riz. Voilà, voici des exemples. Le gros caillou qui était dans le riz, ça c'est au moment de la récolte. Voilà, enlever toutes les saletés, voilà, dans le paddy. Voilà. Ensuite, on passe au décortiqueur quand le riz est fini de nettoyer. Ici, c'est le décortiqueur. Voilà. Le décortiqueur consiste à enlever la première couche du riz, la balle de riz. Voilà, la balle de riz sera enlevée. Ici, on va passer au séparateur. Tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été vraiment nettoyé vient au décortiqueur. Voyez ça, on n'a plus de cargo, le riz est quitté. Toute la balle de riz est quittée. Voilà. Et ici, on appelle ça le cargo. Du cargo maintenant, si c'est le blanchisseur. C'est un séparateur. Ici, c'est le blanchisseur. Le blanchisseur, lui, va blanchir le riz. Voilà. A été déjà nettoyé, enlevé la peau et le riz a été blanchi. On va passer à l'étape du calibreur. Ici, le calibreur, c'est son rôle, c'est de séparer les fines brisures, les grosses brisures et les gros grains. Et après le calibreur, maintenant, on passe à l'ensacheuse. Ici, le produit est fini. On va passer à l'ensacheuse. On a des conditionnements de 5 kg, de 15 kg. De 20 kg, c'est selon le client, la commande du client. Voilà. Mais généralement, on fait des sacs de 5 kg et 50 kg
pour mettre sur le marché. En plus de cette usine de 2 tonnes par heure d'Aloa, rendons-nous à Yamoussoukro, une autre usine 3 fois plus grande que la première. C'est une usine de 5 tonnes par heure de décorticage de riz et prête à être fonctionnelle. Le directeur général de l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, Dembélé Yacouba, un homme captivé par son métier, ne veut pas seulement rester au bureau, c'est un homme de terrain qui nous présente ce beau joyau architectural dont la maquette a été conçue par l'ADERI et c'est une fierté pour le pays. Lorsque le camion chargé de paddy en sac arrive, il fait un arrêt ici, on fait un prélèvement d'échantillons. Et ce laboratoire contient une usine en miniature qui va évaluer l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau qui se trouve dedans, qui va voir, va voir le pourcentage d'impureté. Et tous ces éléments-là rentrent dans un ordinateur qui se trouve ici. Ici, le camion monte sur le pont bascule et la pesée est automatique. Et l'information concernant la pesée va directement à l'ordinateur ici. Il n'y a pas de manipulation de l'homme. D'ici maintenant, le camion va faire le tour du bâtiment et il arrive ici, qui est un magasin de stockage du paddy. Il rentre ici et il monte ici et déverse son chargement de paddy dans un trou ici qu'on appelle la trémie. Ça descend et par derrière, il y a des élévateurs qui vont prendre ce paddy-là, monter. Une fois c'est monté, toutes les autres opérations se font sans consommation d'énergie. 19 usines de ce genre sont achevées. La révolution industrielle en Côte d'Ivoire est donc en marche. Le gouvernement ivoirien a un seul objectif, celui d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz. La stratégie nationale de développement de la filière riz met en place un maillage industriel avec une trame à 3 niveaux, constituée de 400 unités de 10 000 tonnes par an, 2 tonnes par heure de paddy, 30 unités de 25 000 tonnes par an, 5 tonnes par heure de paddy et une unité terminale de 90 000 tonnes de paddy par an. Aujourd'hui, plus de 2600 unités de proximité, 400 unités de moyenne capacité et 19 unités de grande capacité sont opérationnelles. Aujourd'hui, la filière dispose d'un outil de caractérisation du riz de Côte d'Ivoire, d'un référentiel de normes qualité et d'une base de mécanismes de fixation du prix du paddy et du riz blanchi consensuel. Par les efforts de l'État de Côte d'Ivoire à travers ses implantations, des usines de transformation, ce sont des emplois qui se créent. Un tour dans cette usine de transformation du riz paddy en riz blanchi, située à 9 km de l'aéroport de Yamoussoukro, dans le village de Yamalabo, appartenant à une coopérative. Cette coopérative a bénéficié de l'aide du gouvernement ivoirien à travers l'ADERI. Aujourd'hui, elle a sa propre usine et cela fait la fierté du district de Yamoussoukro. Sa capacité permet d'offrir de nombreux emplois aux filles et fils de la région et d'ailleurs. Cette usine est spécialisée dans la mécanisation, la production, la transformation et la distribution du riz local sur toutes les grandes surfaces du pays. Le responsable des opérations techniques, Kwame Kwasi Samuel, nous fait découvrir l'usine. Nous avons plusieurs variétés de riz local. Ce riz est agréablement traité avec tous les équipements que nous avons. Ce riz est propre pour la santé. C'est-à-dire à travers ce riz, quand nous consommons ce riz, nous évitons tout souci de santé parce que le riz n'est pas, il n'y a pas de conservateur à l'intérieur de ce riz. Ce riz est naturel, il est produit de manière bio. C'est-à-dire que ce riz nous permet de bien digérer les aliments que nous mangeons. Ce riz aussi nous permet d'être vraiment relax. Et puis au niveau de la conservation, il n'y a pas de souci. Parce que quand vous avez ce riz, après cuisson, vous pouvez le garder au moins un jour. Donc ce riz-là, je conseille aux Ivoiriens de le consommer parce que c'est ce riz de chez nous. Nous avons les équipements de pointe qui nous permettent d'avoir les riz uniquement de taille, de long grain. Ça nous permet aussi de pouvoir consommer le riz et faire la concurrence aussi au riz importé. Parce que ce riz-là est propre. La disponibilité du riz local de qualité a été constatée du fait de l'amélioration du plateau technique des unités de transformation. Cela s'est traduit par la présence de marques de riz de Côte d'Ivoire dans les réseaux de distribution, notamment au marché, dans les grandes surfaces et chez les particuliers. Alors mettons le cap sur le grand marché de Boaké à la rencontre d'une distributrice du riz local. Il s'agit d'Annick. Elle exerce ce commerce depuis longtemps et vend plusieurs qualités du riz local. Pour elle, le riz local est le meilleur riz en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs variétés.
On peut citer entre autres le GT11 ou CY2, le C26, le 8A9. Nous faisons aussi le riz noir, qui est conseillé pour les diabétiques, le riz noir. Au niveau de notre circuit de distribution, le riz qui est le plus préféré, c'est le CY2. Et nous avons des magasins en propre et nous avons aussi des revendeuses. Donc on peut dire que le riz est beaucoup apprécié par les consommateurs. La stratégie mise en place par l'ADERI à travers la production du riz local toutes les saisons porte ses fruits. On y trouve le riz local blanchi dans toutes les surfaces en Côte d'Ivoire et c'est un pari gagné par le gouvernement ivoirien. Cette denrée alimentaire est régulièrement consommée à la maison, dans les restaurants, dans les gares routières. Rendons-nous dans un restaurant entouré de palmiers en plein air, un lieu réputé pour la consommation du riz local. À 12h30, la restauratrice Cécile Kwasi est débordée. Qui veut du riz encore? Toi, tu veux du riz? Ok. Les commandes affluent de partout. Chaque client veut se faire servir, entraînant ainsi les allers-retours des serveuses avec un seul objectif, satisfaire la clientèle. Le riz local, c'est la consommation nationale. En tout cas, les gens aiment ça beaucoup. Et c'est du naturel. On prépare au moins 25 kilos par jour. Et les gens aiment beaucoup le riz parce que, bon, c'est du bon. Pour les clients, consommer le riz local, c'est préserver la santé. Il n'y a pas mieux. Le riz local n'a rien à voir avec tout ce qui est importé. Donc, j'invite tout le monde à manger le riz local. C'est bio, c'est naturel, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, la stratégie nationale de développement de la filière riz sur la période 2023-2030 corrige les faiblesses de la SNDR 1 2012-2020, donc les moyens mis en place dans le domaine du riz ont été insuffisants. La SNDR 2 s'appuie sur les acquis pour assurer le taux suffisant sans riz de bonne qualité en 2025. Son objectif, assurer la couverture des besoins de consommation en 2025 par la production au niveau national d'au moins 3 800 000 tonnes de padi, permettant de mettre au niveau du marché au moins 2,5 millions de tonnes de riz blanchi de bonne qualité. Le riz cultivé en Côte d'Ivoire est généralement pluvial. Le pays regorge de bas-fonds, de fleuves, de lacs et de rivières. Et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, la transformation reste un pilier essentiel. Pour parvenir à cette transformation, il est indispensable de produire suffisamment de riz. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a importé l'équivalent de 1 500 000 tonnes en 2021 selon la Direction générale des douanes. Nous pensons que cette situation, loin d'être une situation problématique, est une opportunité pour le secteur privé ivoirien, pour les Ivoiriens même en général, une invitation à investir massivement dans la production de riz. Et c'est ça même le sens et l'esprit du Abidjan Legacy Programme ou Héritage d'Abidjan, tel que conçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui va changer la trajectoire de développement et de transformation agricole de la Côte d'Ivoire. La vision du gouvernement est de promouvoir une filière rizicole compétitive et durable, à même de satisfaire les besoins nationaux. La Côte d'Ivoire veut mettre tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz. Vous le savez, le riz séduit les Ivoiriens. L'Ivoirien peut le consommer avec plusieurs sauces ou même avec du piment. Le grand défi pour le gouvernement ivoirien aujourd'hui est de faire en sorte que chaque Ivoirien arrive à s'offrir un plat de riz à moindre coût et cela passe par la stratégie nationale de développement de la filière riz qui sera déployée de 2023 à 2030. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Votre émission a été réalisée par Tissé Images.